brilla cometa serás, estrella purísima. Su Alter Radio, l'IFE, c'est eux. Bonjour, ici Malou Beauvoir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Pou de mè ka bel. Oui, fok de mè bel. Pou de mè ka bel. Se yon emisyon sou Développement Durable nan Alter Radio. Ah, Développement Durable, sa vle di. Nou pral pale de yon seri de kesyon tankou. Environnement, agriculture, agro-ekologie, changement klimatik, epi, fason moun dwe viv. Exactement, se pa ded menanmen a Groupe Média Alternatif ki pote emisyon sa apon nou. Pou de mè kabel, se depi jodi a wii pou nou travay pou nou. Emisyon pou de Mekabel pase chak vendwadi matin a 7h sou antenne Alter Radio 106.1 FM alterradio.org. Zanmi auditeur auditris Alter Radio, zanmi auditeur auditris pou de Mekabel, bonjour, bonsoir, tout depan de l'heure ap koute emisyon. Yo bonjour spesyal pou Mackenzie ki sou konsol la ave nou e nou salue Colette Lespinas ki pa kaba ave nou nan studio. Pou de Mekabel. Bel. Nan emisyon jodi a, nap gen pou nou pale de yon sujet d'aktualite. Sujet sa, se kesyon air proteje. E d'ayor, tem emisyon men, koman jere durableman les air proteje. E nan kesyon air proteje a, nap gen pou nou pale avek de spesyalist nan kesyon air proteje an Haiti. Nou gen Medina Masena, ki se profeseur nan universite. Ki se spesyalist nan kesyon air proteje an Haiti, d'ayor tez liye sou air proteje li fel, e nap gen pou nou pale avek yon kad minister environnement ki pral gen pou eksplike nou kesyon air proteje. E lot baga nap gen pou nou pale tou ki an dan air proteje a, se kesyon besap sa, e kap fe aktualite ansanm avek de spesyalist sa yo, nou pral gade vreman vre misyon besap la. Oui, fok de mè bel. Alter Radio. Pou de mè ka bel. Zanmi auditeur, auditrice, bienvenue dans l'émission pour demain Kabel. Et pas oublier, sujet jodia, c'est comment gérer durablement les aires protégées en Haïti. Avec deux spécialistes nous. D'abord, Nabdiou, gen san kapabrele Agence Nationale des Aires Protégées, qui c'est une direction générale sous tutelle ministère environnement, qui gen pour mission pour gérer, coordonner système national air protégé sous tout territoire national. Là. Et d'ailleurs, Agence Nationale Air Protégée a été créée en 2006 par un décret cadre ministère environnement même. Et ANAP gen pour mission protéger biodiversité et puis gérer SNAP conformément à article 54 décret cadre 2006 ministère environnement sous question gestion durable de l'environnement et réglementation conduite citoyen pour développement durable. D'ailleurs, en année 2017 sous administration et Moïse Lafontaine, ANAP devine relevé au grade de direction générale. Ça veut dire et directeur général ANAP là, c'est un directeur général tout
directeur général et qui gagne pour mission pour faire air protéger ça ou des espaces voilà qui vraiment protégé. Nous va pas entrer dans trop de détails, nous gagne avec nous spécialiste et qui la pour ça ou qui pral expliquer nous qui ça qui ont air protégé, comment classer air protégé ça ou et voilà qui ça qui be sa plat Medina Masena. Air protégé, qui ça qu'on air protégé? Si n'a détaillé moi air protégé, longtemps les nous à l'école, nous avons parlé de calcul l'air ou bien la surface. Dans l'air là, nous sommes sur surface. Les cas en surface terrestre, les cas en surface marine et côtière, que vous protégez. Protéger pour faire qui ça? À qui objet protéger, c'est pour conserver sa biodiversité. L'air de biodiversité, c'est diversité de la vie. En tant que biodiversité, nous avons les écosystèmes, les écosystèmes, nous avons espèces et nous avons espèces génétiques. Alors, pour faire un petit résumé de définition, nous avons un espace géographique qui est clairement défini avec des mesures, une superficie clairement définie, qui est reconnue, les consacrer, les gérer pour au moins efficace et juridique et de façon à long terme et la objectif la conservation de la nature et les services écosystémiques. Les services écosystémiques, nous les services auto-d'entretien, nous les climat, nous les l'eau, nous les, et par exemple si nous prenons Pac-Macaya qui sont air protégés de catégorie 2. Pac-Macaya qui sont air protégés, par exemple il y a des services qui offrent population, avez dit air protégé ça. Il y a des services écosystémiques qui offrent aux populations, par exemple, il y a de l'eau, il y a des pieds bois, il y a offrent aux populations. Et puis tout, il y a des valeurs culturelles qui sont associées à lui, que nous avons là pour les protéger aussi. Ok, vous comprenez ça? Si nous bien comprenons la définition de là, air protégé fait partie de composants de développement durable, parce que vous avez protégé l'espèce là pour la génération future là, capable de jouer ni tout. Oui, nous avons dit ça. Medina Masena, qui importance est protéger gain pour nous, pour pays et pour génération qui venir? Comme ça vous constatez, l'objectif principal on est protéger c'est conservation de la biodiversité. Alors, où importance sur est protéger qui ça là? Premièrement, il est là pour recherche scientifique, nous-mêmes jeunes qui dans faculté d'agronomie, qui dans département environnement, il est là pour recherche scientifique. Deuxièmement, il est là pour protéger espèces sauvages avec espèces endémiques. Les espèces endémiques, c'est espèces qui propres à Haïti. C'est espèces où jeunes en Haïti, par exemple, où jeunes caleçons rouges qui sont espèces, ou qui sont oiseaux qui sont espèces endémiques, leur arrivée dans le parc la visite, ou les jeunes pins, pins occidentalistes qui sont espèces endémiques à Haïti. Premièrement, qui fait le thème, les métiers fonction écologique. Nous connaissons écologie, donc écologie, c'est relation qui vient entre habitat et puis l'homme, avec des relations qui vient entre vivant et non vivant. Ok, et puis l'autre aspect qui est très important tout, qui vivent un aspect économique tout, et pour aussi de favoriser tourisme, loisirs, etc. Et puis tous les sont lieux d'éducation et sensibilisation pour touristes, pour le monde qui vient visiter. Medina Masena, si nous bien comprendre, population hein, à travers timoun faculté d'agronomie yo, timoun l'école yo, et pourquoi pas tout public là, yo pas connait qui ça qui ont air protégé ou bien des efforts qui fait en sens ça, que ce soit bon côté professeur université ou que ce soit bon côté l'état haïtien, que ce soit bon côté société civile là tout nous mêmes. OK, gen entité dans l'état qui c'est agence nationale des air protégés qui là qui pour gérer air protégé. En passant d'après liste relevée en Haïti, il y a 25 air protégés. Comme vous faites à ajouter Pac Matissan, Pac Leclerc Matissan, qu'on a bien 26. Mais au fond, seulement quasi population, tous les civils là, par contre, ça font air protégé vraiment. Vous comprenez ça? Ça veut dire nous pas fait travail nous. Le travail là pas fait bon côté de l'État, mais nos facultés par rapport à ce que nous faisons, nous parlons de air protégé. Mais notre population, on dit pas qu'on ça font air protégé. Si vous dites que nous air protégé, là, on sait quoi ça veut air protégé. Soit pensé, yon bagay comme ça air protégé et partout dans le monde, nous même ouais dans le monde combien millions de mètres carrés air protégé. Soit pensé si t'as un département dans faculté d'agronomie, que ce soit université épiscopale d'Haïti dont nous fait coup là-dedans, que ce soit université Kiskeya tout nous fait coup, même université d'État, soit pensé t'as un département qui relève gestion des aires protégées, même tant que ça fait dans l'autre université dans le monde là, surtout en France. Oui, c'est déjà intéressant pour qui ça, c'est mieux
ta faire ta avancer sur plus recherche parce que nous connaissons 6 catégories air protégé et jusqu'à présent nous dans niveau d'après enquête yo fait yo dans niveau catégorie 2 avec je pas que j'aime pas qu'on enquête qui mener pour découvrir l'autre catégorie air protégé qui gagne en Haïti. Alors mon département constate bon si nous travail pour découvrir reste catégorie qui gagne yo. Et puis sensibiliser population qui pas connaît ça qui est air protégé pour n'avoir. Si bien comprendre professeur Massena, manquer recherche qui fait sur air protégé en Haïti, c'est ça? Bien sûr, manquer recherche. Jusqu'à présent, nous avons 6 catégories air protégé, nous avons catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, catégorie 4, catégorie 5, catégorie 6, catégorie 6. Mais en Haïti, son seule catégorie nous avons, c'est catégorie 2. C'est dans la catégorie qui c'est parc national, c'est un parc national. En passant tout, on est protégé, c'est pas seulement une forêt, non? Il y a une rivière, la mer, son air protégé, tout son air protégé, marine. Donc, si je bien comprends, Médina National, c'est pas le job, nous, professeurs université, société civile là, Radio A, Alter Radio, qui a travaillé dans le développement durable, tout à travers l'émission ça, ou nous pour nous montrer public là l'importance de protéger yo? Oui, en association avec ANAP. Ok. Pas pour nous. On dit ANAP, qui c'est l'Agence nationale des aires protégées, qui voit dans sa même gestion des aires protégées. Mais Medina, l'autre, et qui a fait actualité tout, nous tendez, nous d'accord. Est-ce que automatiquement pour un espace protégé, faut gain des brigades qui surveillent, des mounazam comme militaires ou paramilitaires qui surveillent? Est-ce que les obligé comme ça? Oh, bon merci beaucoup. C'est oui, faut gain un éco garde. Oui, en Haïti nous gain ça qui est le BSA qui c'est brigade sécurité des aires protégées. Si ça yo fait, yo là yo gain formation, yo gain formation militaire et puis yo gain formation environnementale tout. Ça veut dire yo compte pas là tout, yo sont conservateurs tout. Yon la tout pour sécuriser PAC là, en même temps pour former population qui a vivre autour PAC là. Comment ça me dit? Population qui est au milieu de PAC là pour conserver. Par exemple, si vous avez un touriste qui vient, ou un éco-garde ou bien une brigade, li en mesure pour lui faire parcours avec avec touriste. Par exemple, si vous venez Makaya, li ka explique quel type de forêt, la forêt des pins, la telle forêt. Et puis tout comme objectif brigade ça lui-même, premièrement, li empêcher comme si on connaît la nuit, moun connaît la nuit puis al couper pied bois. Li là pour empêcher moun couper pied bois et de même tout li là pour empêcher espèce migratoire entrer dans parc là. Ah, si bien comprendre, monsieur Namasena, wol be sa place, c'est pas corps militaire qui pour faire opération dans la rue tant que j'ai la police la mefel li gè côté pour lui même c'est ça li pas doué fmené la rue tant que j'en moi yo bonne cabrit yo sous national yo c'est pas ça non moi dou ça déjà un espace pour être protégé faut que li gon super géographique faut que li créer des défis avec il faut un point A un point B faut gon superficie faut consacrer faut efficace et puis faut déclarer dans le moniteur par l'état parce que tel espace déclaré air protégé. Pas Haïti pas un air protégé. Mon cas de air protégé. Si bien comprendre depuis ce côté moi ouais agent B Sapio mettre dans tête moi que côté ça déclaré c'est une zone protégée ou bien air protégé lié, c'est ça? Oui, parce que c'est ça. Là parce que B ça signifie c'est brigade sécurité des airs protégés. Donc ça veut dire mon cabrit pas l'an 25 26 air protégé. Donc pas que bawé ou mon cabrit. Non, on va rien droit pour dans parc Makaya, on pour parc la visite, ou bien droit parc Matissan. Ou apwe yo dans zone sud de la Toutrel, Kaimit, ou apjwen yo Ilavache, ou apjwen yo Parc National des Trois Becs qui se trouve dans le département de Nord-Est. Et là, pour jwen, brigade Besapio. Merci Medina Massena pour bel ti moso pensa ou sou tkase maintenant mais nous sous Besapla et sous sa ki gestion des aires protégées. Merci à vous pour l'invitation. Je suis content de partager connaissance avec vous. Nous sommes de là, Medina Massena qui sont fait tkase maintenant mais nous. Qui saute et parle nous de BESAP là, mais on n'a pas comprendre comment BESAP qui là pour des espaces protégés, des aires protégées, et puis BESAP là, mon rapporté, nous même tout, nous ouais ça, BESAP dans toute la rue, autant de BESAP dans l'opération, autant de BESAP même, te gen même affrontement entre BESAP et URGPN. Donc, public Alter Radio, étudiant faculté d'économie, on est côté bien pour rejoindre BESAP, tant que ça fait dans tout notre pays. Oui, il faut que un corps paramilitaire pour protéger nous, pour surveiller yo. Oui, il faut que ça fait. Mais si espace là pas déclaré air protégé dans le moniteur, si pas de loi qui sorti même pour dire que espace là sont zone protégée, donc pas de droit gagner un corps paramilitaire qui est le BESAP qui dans zone là. Par exemple, mon cabrit, nous tendez BESAP
dans monde Cabrit. Si monde Cabrit pas déclaré air protégé, son zone protégée, donc BESAP pas gain droit sur monde Cabrit. Pour demain Cabelle. Pour demain Cabelle. Pour demain Cabelle. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio. Une autre idée de la radio. Tant que j'en ai dit en titre, nous avons un autre cadre dans le ministère de l'Environnement avec nous. C'est Yavé Fortuné. Yavé Fortuné pour parler nous tout de air protégé. Donc, Yavé Fortuné en ligne avec nous. Yavé Fortuné, bonjour. Où soit Alter Radio? Bonjour, agronome Etiel. C'est un plaisir pour moi pour participer dans une si belle et grande émission. Thème émission aujourd'hui, Yavé Fortuné, c'est gestion durable des aires protégées. Yavé Fortuné, dis-nous, qui est un espace c'est un air protégé? Pour parler de air protégé, il faut d'abord un décret d'État, il faut qu'il y ait un espace géographique et il faut qu'il y ait des espèces à protéger. Maintenant, nous avons dit déjà en termes d'exemple d'air protégé, nous avons un exemple au niveau du département du Sud qui, avec le décret du 26 août 2013, avec le gouvernement Lamotte-Matéri, qui t'a déclaré 9 aires protégées au niveau du département du Sud. Donc, parmi les 9 aires, il y a le parc Makaya, le parc naturel La Vache, le Gokai, le Port-Salut, le Fondekai, le Plaine Nakawan, le Gouette-Marie-Jeanne, le Pointe-Tabacou, et le Fort-Olivier. Mais ça, c'est dans la logique côté. Nous dit les on parler de air protégé gain trois catégorisations que on fait il gain ça relé air avec et patrimoine naturel gain air à patrimoine culturel et gain air pour la production durable. Maintenant on va gain l'autre élément qui est intéressant en termes de procédure de classification d'air marine protégé que yo utilisé au niveau de l'UICN, qui c'est Union internationale pour la conservation de la nature, c'est à partir de deux éléments ça, et puis avec une logique internationale, une logique pays. Logique internationale, c'est avec l'UICN, et logique pays, c'est avec les États-Unis. L'UICN, comme j'ai dit tantôt, c'est Union internationale pour la conservation de la nature, et même qui plus garder question de conservation et espèces et habitats marins. Et États-Unis même les plus là non sorte d'extraction et ressources. Donc c'est à partir de deux éléments méthodologiques ça OK nous-mêmes haïtiens nous décider de dire nous gain air protégé et pour, c'est la raison pour laquelle il faut ouais de situer air protégé au niveau côte et là au niveau côte là dans surtout dans Okaï avec neuf aires que nous sommes cités là. Il y avait Fortuné, où qu'on est nous gain pile étudiant faculté d'agronomie cap tande émission à un moment là et nous gain pile tout peuple là tout cap tande émission. Donc c'est une émission qui fait pour non seulement tout monde faculté d'agronomie yo, mais il fait tout pour peuple là. Qui critère y avait Fortuné pour un espace c'est une zone protégée? Est-ce que il y a des critères? On pense oui. Oui, bien entendu, il y a des critères. C'est gain bon critère qui lié à question ressources, à ressources, bon critère qui lié à question culturel, un critère qui est lié à une question touristique ou historique. Lundi, ça, par exemple, le ou décidé pour dire ça ou de protéger, c'est par rapport à espèce qui est dans l'espace qu'on a voulu conserver, par exemple. Lundi, il a décrété air le point tabacou, c'est parce que il y a un écosystème de mangrove qui l'a estimé qui est important, que vous devez protéger, vous devez restaurer. Il estime tout qu'il y a des récifs coralliens qui sont un peu importants tout.
et que même au niveau de l'économie bleue par rapport à la question de la pêche, il y a deux zones de zones de surpêche que notamment des protagonistes d'interdiction de pêche par rapport à comment pour comment des carrés restaurés. Il y a d'autres éléments encore, par exemple, il y a des éléments culturels, par exemple, sur plein et au niveau de Port-Salut qu'on a décidé comme air protégé, par exemple tableau diable. Tableau diable sont des éléments culturels, côté qu'on appelle les contenus, qu'on visite, on fait des rituels, etc., faire de la prière, et des touristes qui viennent, qui vont venir garder, ils viennent voir, etc. Ils disent ça, c'est un objet culturel qui mérite de protéger, donc par rapport à l'espace, il y a tout qu'à protéger. Et puis, il y a d'autres espèces qui sont endémiques par rapport à PIA, par exemple, le mérite de Sabal, par exemple, au niveau de Port-Salut et tout, encore, ou est venu en Haïti, presque. Et particulièrement, donc, et exclusivement, donc, il fait que vous m'avez plus haut qu'à protéger. Et je pense tout qu'il y a une grotte Marie-Jeanne, par exemple, qui sont grotte historiquement, qui est extrêmement important. Et si nous faisons une petite ouverture tout petit par rapport à l'histoire, je dis parmi 21 bonnes qui sont en Haïti, grotte Marie-Jeanne, c'est une gros bonne qui gagne pour nous t'a supposé. Al faire des activités spirituelles. Y avait fortuné, nous souhaitons importance air protégé sous plan technique, sous plan social, et maintenant sous plan économique, y avait fortuné. Si nous regardons air protégé et développement touristique durable, est-ce que vous pensez que possible à travers air protégé pour nous gagner un petit chocho, un petit l'argent qui est dans la poche nous? Si nous faisons ça bien, ça doit faire. Mais ça me cadre à gonome par rapport à la question posée là. Maintenant, pour dire. Parler de air protégé, il faut air protégé, et pas uniquement une déclaration pour faire au niveau de l'État, mais il faut bien avec ANAP, qui est l'Agence nationale des airs protégés, faire des actions de gestion sous l'eau. Et pour arriver à faire des actions de gestion sous l'eau, il y a un élément qui est fondamental que vous élaborez, qui est le plan de gestion. Et pour me dire en passant, en Haïti, c'est celle Pac Macaya qui a un plan de gestion par, comme aide protégée, qui a un plan de gestion qui est déjà élaboré. C'est au niveau de l'autre RIO, surtout au CAI, par exemple, dans l'air protégé et Pointe-à-Bacou, dans l'air protégé Port-Salut, l'air protégé La Caouane, etc. Et des plans de gestion qui ont élaboré sur l'air. Et c'est à partir de l'élaboration et plan de gestion SAO qui va dans une phase de gouvernance. Et à partir d'un niveau de gouvernance, il y a quoi qui type de gouvernance qui a bien, parce que jusqu'à présent, pour confiner, pour Chita, pour qui type de gouvernance qui a bien. Aussi, il y a deux types de gouvernance, là, Chita, son va étatique, pour en faire l'État, pour en faire avec les populations. Hein. Donc, on y a là, il va dire, mais qui a type pratique qui a gagné en dedans. Par exemple, on peut arriver pendant l'espace et protégé pour garder un développement durable, on peut venir avec élevage en cage. Quand on fait une question au bassin piscicole en mer, donc quand on met des séries de poissons, on peut lever la dalle, quand on pêche, on peut joindre, on peut joindre un poisson plus facile pour pêcher, pour vendre, pour joindre plus tôt. Non, mais il y a une fortune. Nous avons exemple Amazon. Amazon, c'est forêt ça qui dans la Guyane, mais qu'elle soit au Brésil, tout. Et bien, vrai, nous avons un espace ça, nous sommes capables de dire son air protégé. Les Nations Unies même déclaré son espace protégé. Nous avons tout ça qui gagne un des espaces qui est belle pour nature. Donc, il y a moyen pour ni Brésil ni Guyane faire cobre, retraiter cobre tout dans l'espace. Même les gars, pile recherche qui fait tout dans l'espace. Donc, pas de moyen dans l'espace protégé nous pour petit cobre rentrer dans le milieu. Mais oui, c'est ça que je dis. Par exemple, tout ça, tout à l'heure là, par rapport à, et par exemple, en dehors de l'activité économique bleue. Qui a un rapport à la question à pêche, à l'agriculture, etc. Mais il y a des sites touristiques tout, qui permettent que il y a un touriste qui vient visiter, qui vient regarder, et comme ça, il y a des recettes. Et il y a une expérience que vous faites dans l'autre pays qui est au niveau des Caraïbes. Côté où vous êtes capable de faire un couloir. Ça, c'est pas pour vivre, imaginez, pour ne pas dire de perspective de la réfléchir, mais il y a des moyens pour faire. Et l'argent à travers air protégé. Gain et non seulement activité culturelle et activité historique comme tout. Au cas de mettre des groupes là, au cas de mettre des visiteurs, au cas de mettre des bons visiteurs, l'offre historique, mais comment pour mettre visiter, si au cas de mettre des discours là-dedans, etc. Donc il y a moyen. Donc c'est à nous autres pour nous voir comment nous capables d'arranger nous pour nous faire ça tourner effectivement une activité qui est rentable et qui est durable.
au niveau non seulement économique mais au niveau environnemental. Donc si me conclut bien sur ce diag rapport pour air protéger yo à travers eux même nous fait non seulement développement touristique durable. Non, gain rapport parce que c'est non seulement gain rapport et c'est possible. Il y a rapport et il y a la possibilité est bien et belle là. Et si vous chita clair, vous faites Abuja Zaldouia, ou avec des pèlerins, ou avec des touristes qui viennent visiter, et en contrepartie, vous avez toujours décidé de dire merci à payer, il n'y a pas payé. Et bien, par exemple, contre Marie-Jeanne, etc., vous avez toujours fait le même genre pour le café, si toutefois vous décidez. Il y a possibilité. Et surtout, par exemple, et non seulement il y a possibilité pour faire de l'argent, mais en même temps, tout, ça, il faut dire ça en passant. Donc, et il y a un élément qui est extrêmement important au niveau des air protégés, surtout avec l'écosystème mangrove, par exemple. C'est l'écosystème de mangrove là, parce qu'il y a 4 espèces de mangrove en Haïti. Je m'en préfère, même si je pense au parle d'un spécialiste en mangrove, sur qu'a fait intervention à tout, qu'a clarifié, qui est mangrove rouge, mangrove blanc, gris, noir. Donc, et il y a même, par rapport à l'expérience que nous avons fait après Mathieu, au niveau du département du Sud, t'es bien et Mathieu t'es passé mais il y a des pêcheurs qui t'ont fermé bateau yo quand notre en dans écosystème de mangrove là bateau ça va pas bien rien c'est pour dire et que mangrove là il sert de barrière de protection pour nous les gien si la mer a monté si t'as gien et tsunami en même temps tout le permet que petit poisson yo ca continuer grandir dans des mangrove. Nous dit tout le monde merci qui t'a suivi émission pour Domé Kabel. Nous dit merci Mackenzie. Nous dit tout intervenant nous yo ingénieur agronome Medina Massena, sociologue Yavie Fortuné. Merci pour belle émission ça. Nous casse rendez-vous à tout le monde pour semaine prochaine pour l'autre émission pour Domé Kabel. Côté n'a pas pour nous traiter un terme qui est vraiment belle même j'ai avec terme nous gain aujourd'hui. Bye bye tout le monde. Pour Domé Kabel. Oui. Fok demain belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler de une série de questions tant qu'environnement, environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi à oui pour nous travailler pour nous. Émission pour de Mekabel passe chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. Ou l'autre idée de la radio. Alter Radio, l'idée fraîche.
Communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on aimerait créer l'histoire. Ou pas te maîtriser ce que tu as à le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça a une classe, on directeur sans professeur. Je suis capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la sainte, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépisse ça qui fait des pouvoirs, faut qu'on prise en charge. On nous veut vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, ouais, c'est celle qui a aimé qui mis au pied le patron. Le régime côté nos sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen d'information. Partage l'idée à distraction. 106.1 FM, Alter Radio. Pas rater yon pour l'IM dans le programme Alter Radio. Coutez Alter Radio sur Internet, connectez sur TuneIn et Zeno. Coutez. Abonnez. Partagez. Moi, c'est Tamara Suffren. Qui t'aime faire un petit chita parler avec nous sur façon pour nous traiter livre unique à cahier exercice élève premier et deuxième année fondamentale yo pral recevoir gratis ti chéri dans mes l'état haïtien à travers ministère éducation nationale. Là nous recevoir livre là à cahier exercice là pas jamais écrit dans livre là. Fait tout ça nous capable pour nous pas chiffonner livre là. Éviter sale livre là, éviter mouiller livre là. Toute précaution sa yo a permettre yon lot élève joindre occasion servi ak même livre sa nan yon lot année. Essaye ap yon bel geste l'amour ak solidarité envers élève k'ap vini après nou. Ajoute sou sa, recyclage livre yo a permettre ministère éducation nationale fè moins dépenses nan année k'ap vini yo pour acheter livre. An pran soin livre nou yo pour nou ka bay plus élève premier ak deuxième année fondamentale chance joindre livre pa yo. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there. I hear your voice. It's like an angel sighing. I have no choice. I hear your voice, and it feels like flying. And I close my eyes. Oh God, I think I'm falling out of the sky. I close my eyes. Heaven help me. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there.
like a child. You whisper softly to me, you're in control, just like a child. And now I'm dancing, it's like a dream. No end and no beginning.